Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Pixel Barbecue. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année à tout le monde. C'est la première fois qu'on se voit en stream depuis le 1er janvier, donc bonne année à tous, en espérant que 2016 soit un petit peu meilleur que 2015. Ce en soi ne devrait pas être trop compliqué. Quand on fait un petit retour sur l'actu, ça a quand même été une belle année pourrie. En tout cas au niveau de l'actualité, maintenant en termes de jeux vidéo, on a quand même eu de belles choses. Dont la sortie de ce Disney Infinity entre autres. Pourquoi? Je vais pas vous mentir, hein. Vous le savez maintenant si vous lisez le site Pixel. Je suis assez fan de ce Disney Infinity, surtout 3.0, étant donné que Disney a fait un bon boulot en remaniant sa Toy Box, en donnant plus de spécificités à ses différents personnages. Ce serait sympa quand même qu'ils mettent à jour peut-être les personnages 1.0 pour les rendre plus intéressants. Parce que du coup, vu les possibilités de combos, de break et compagnie qu'on a avec les personnages 3.0 et un petit peu moindre avec ceux de Marvel, on se dit que les personnages comme Elsa ou même Woody hein, de 1.0 sont bien fades à côté, on a moins de plaisir à jouer avec. Enfin bon, cette année ça a été aussi la grande sortie de Star Wars, hein, le fameux épisode 7 attendu depuis fort longtemps. Ça a été l'occasion pour Disney Infinity, propriétaire de la licence, enfin, pour Disney du moins, de sortir une extension, un playset de l'aventure qui fait suite donc à Rise Against the Empire, donc de la trilogie originale avec Luke, Leia et Vador, et Twilight of the Old Republic qui était le premier, se penchant sur les films 2 et 3. Si la mémoire est bonne, parce que celui-là, c'est celui que je suis en train de faire, que je n'ai pas encore tout à fait fini. Petit mélange avec The Clone Wars, la série télé en animation également. Donc voilà, ici on revient donc sur le pack The Force Awakens et qui résume entre guillemets le septième film, donc le premier de cette nouvelle trilogie. Alors forcément le playset est un petit peu plus court, du moins c'est l'impression qu'il m'a laissé après l'avoir terminé, que les deux précédents. Les deux précédents résumaient une trilogie, ici on résume un seul film. Et je parle bien de résumé, hein, et quand même des raccourcis qui sont pris. Je précise tout de suite, je n'ai toujours pas vu le septième film. Bon, j'ai lu des articles dessus, donc je sais grosso modo de ce qu'il en était, donc le jeu ne m'a rien spoilé. Pour ceux que ça intéresse, non, le masque de Kylo Ren ne tombe pas à la fin du jeu ici. Et il m'a semblé que ce blessé était quand même plus difficile que les précédents. Il faut quand même bien gérer les combats, l'esquive et compagnie. Maintenant, je me suis rendu compte juste avant de lancer ce stream que j'avais mis les combats en difficile depuis le début, donc on va laisser comme ça. Finalement, donc ici, vous n'avez pas à voir ma bouille sur la caméra, mais bien la bouille des figurines qui sont quand même peut-être le plus intéressant, parce que sincèrement, en termes de jouets vidéo, il n'y a pas photo, hein. On est quand même dans ce qui se fait de mieux, au-dessus des Skylanders, même si les Skylanders sont très bien réalisés en termes de finition, je suis pas fan du character design, hein. Mais ça, c'est un goût personnel, et je parle pas des Amiibo qui sont pas extrêmement bien finis non plus. Par contre, au niveau des figurines de Disney Infinity, c'est la fête du style, parce qu'elles sont vraiment très très belles. Donc, ici, j'ai terminé l'histoire du playset, donc j'ai débloqué toutes les zones. Ici, dans ce playset, on a accès à deux zones libres. Donc, si vous ne connaissez pas le principe de Disney Infinity et des playsets, vous avez ici donc une aventure qui résume un ou plusieurs films. Hein, ici, on arrive donc sur Takotana avec Rey, niveau 20, hein, les niveaux montent mine de rien assez vite en jouant au playset. Alors petite subtilité entre guillemets qui n'était pas dans Twilight of the Old Republic
qui était présent sous une autre forme dans Rise Against the Empire, c'est la récolte d'objets. Dans les aventures de Luke, il fallait trouver de l'argent. Ici, on récolte des pièces qui nous permettent de réparer différents passages, échelles et tuyaux qui nous permettent de grimper et d'accéder à des parties non accessibles autrement. Soit on vous le demande en suivant les missions du scénario, soit ça mène à des zones secrètes cachées qui contiennent soit un holocube. Donc pour ceux qui ne savent pas, les holocubes permettent de débloquer des choses que j'aime bien, c'est-à-dire des artworks du jeu. Bon, je vais vous en montrer quelques-uns ici rapidement. Dans les objets, je crois que c'est dans les objets. Voilà, on a des niveaux de jeu holographiques, ça je vous les montrerai après. Donc sur Jakku il me manque un, et j'ai tous les autres. Les Minox sont des petites créatures qui sont présentes dans les trois playsets, et il y en a à chaque fois 100 à trouver. Les Holocrons, voilà, c'est ça qui débloque des artworks, donc, et les pièces de champion Star Wars. Alors ça vous permet simplement d'incarner d'autres personnages, d'autres figurines de Star Wars dans ce playset. Au début de l'aventure, vous ne pouvez incarner que Finn ou Rey dans ce playset, mais en trouvant les pièces. Et je précise que dans Disney Infinity 3.0, il ne faut trouver qu'une seule pièce de personnage pour pouvoir l'incarner. Par exemple, pour pouvoir jouer avec Luke ou Leia ou même Darth Vader. Dans les environnements de The Force Awakens. Alors que dans Disney Infinity 2.0, ben, il fallait quand même trouver les 10 pièces par personnage. C'est un petit peu plus rébarbatif quand même. Donc voilà, les pièces de champion. Ici, j'en ai trouvé lesquelles. Voilà, il me manque 4 personnages. Mais je peux par exemple jouer avec Leia. Avec Darth Vader, avec des personnages de Star Wars Rebelle, et avec Anakin Skywalker. Bah, d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on va faire tout de suite. Hein. Si je remplace la figurine par celle d'Anakin. Voilà, donc il est tout à fait possible de jouer avec Anakin. Voilà, les Jedi ont cette particularité de pouvoir utiliser la force, donc d'attirer les ennemis à eux ou de les repousser suivant leur affinité. Par exemple, Ahsoka repousse plutôt qu'elle n'attire à elle. C'est un gameplay un peu différent. Alors ici, on a aussi des passages qui sont réservés qu'à des personnages maniant le sabre laser. Donc, on va pouvoir découper une porte. Accéder à une zone fermée autrement qui cache soit une orbe d'expérience, soit un holocron, soit une pièce de personnage. Ouais, il faut trouver ici. Mais bon, ici c'était juste pour vous montrer Anakin, mais on va pouvoir à présent jouer avec Finn. Les figurines sont quand même vachement bien réalisées, même si je trouve que pour ce PS3, mais ça correspond, enfin ça, c'est plus la faute entre guillemets du character design du film, mais des personnages du film, ils sont un peu plus simples, je dirais, au niveau des vêtements et du character design en général, ils sont un petit peu plus simples. Oh, bêtise. Ouais, si je vais en profiter pour vous montrer un petit peu la base de Takodana. Détruite, hein, forcément. Si vous avez vu le film, vous savez pourquoi. Elle a été attaquée, donc par un nouvel ordre. Plein de choses sont cassées. Donc, les zones sont relativement grandes tout de même. Il y a pas mal de choses à trouver. Donc, comme je vous disais, des pièces, des holocrons, un tas de sous-missions. Donc, les missions annexes. Sont signifiés par un point d'exclamation bleu, l'émission principale par un point d'exclamation jaune, et les tuyaux ici font partie des choses qu'on peut réparer, donc pour accéder à ces différentes zones.
J'ai eu de la chance. Alors, on a l'occasion aussi de construire, là ici je vais demander, voilà, une petite mission annexe. Préparer un parcours de course, mais j'ai besoin d'aide pour placer les éléments flottants. On appelle un véhicule. Et on rejoint donc les points de... Allez, relevons le défi suivant. Voilà, c'est la deuxième partie d'un circuit à qu'on peut faire pour s'amuser, pour faire plein de figures si on a envie. C'est fini, il n'y a plus de... Voilà. Hey. Comme toujours, hein, chaque petite mission est l'occasion de débloquer un personnage pour la Toy Box, un objet, de l'expérience bien sûr. Ah, il nous propose encore autre chose. On se décide sur le lac, on est reparti. On trouverait après une mission, bon, le playset. Le mode scénario du playset est relativement semblable, encore une fois, c'est la photo film. Star Wars 4, hein, l'attaque de Starkiller par exemple. Le film, le playset résume, donc il y a des passages un peu plus édulcorés, on va dire. Encore une fois, je n'ai pas vu le film, mais j'imagine que c'est comme pour les autres playsets. Non, oui. Des ennemis et des illustrations débloquées. Et un peu d'expérience, bien sûr. Nouveau défi déverrouillé. Nouveau défi déverrouillé. Nouveau défi déverrouillé. J'ai pris une camelle, ok. Donc on a ici différents kiosques pour améliorer son personnage, mais tout ça est accessible dans le menu également. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une petite mission? Voilà, on va voir celui-là si tu vas me demander. Trouver une clé secrète, ça me plaît. J'aime bien ouvrir tous les secrets d'un endroit, trouver toutes les clés et ouvrir toutes les portes. Bon, il y a des portes qui restent fermées, hein, comme celle-ci, mais elles sont normalement liées à certaines missions. Alors, comme toujours, on débloque des capacités de saut assez rapidement. Le piratage relativement le même que dans Disney Infinity 2.0, hein. Trouver la bonne fréquence en tournant le stick. C'est bien compliqué, voilà. Ah ben voilà, une pièce pour pouvoir incarner Luke. Une bestiole qu'il faut flinguer. Une mission rondement menée. Et une cible sur la question.
Voilà, donc on a simplement ouvert un raccourci. Mais on a trouvé un objet supplémentaire, donc ça c'est toujours chouette. D'ailleurs, si vous voulez voir Luc... J'ai vu que Disney allait sortir les figurines, enfin les mêmes figurines, mais où les sabres laser s'allument. Donc imaginez avec une petite LED à l'intérieur. Ressortir quelques figurines, un petit peu comme ils avaient fait avec les figurines cristal des précédents jeux. Pourquoi pas, je dirais. Hein. C'est vrai que c'était une réflexion que je m'étais faite. Je me demandais si les sabres allaient se mettre. Allaient s'illuminer en les cassant sur le socle. Même s'il est rendu quand même fort sympa. Tiens, je vais voir. Parce qu'il manque, je pense, ici encore une pièce. Voilà, j'ai quelques glitches visuels là. Alors, il faut aller balancer des bestioles dedans, j'imagine. Donc ici, les différentes pièces qu'on ramasse un peu partout nous servent à réparer ceci. En fait. Là. Je vais quand même reprendre Finn histoire quand même de gagner de l'expérience avec lui. Donc, comme toujours, on peut changer assez rapidement de personnage. C'est vrai que j'aime bien trouver la dernière pièce de personnage sur cette planète. Je crois qu'il m'en manque une seule. Objet. Pièce champion. Takodana, voilà. Il m'en manque une et deux sur Jakku. On ira faire un tour sur Jakku après. Et on refera une mission principale. Alors comme toujours, plus on a de personnages, plus on débloque de pièces, donc plus on a entre guillemets de vie si on a les figurines, parce que une fois qu'une figurine est vaincue, que vous avez perdu lors d'un combat, elle devient indisponible pendant un petit moment, pendant quelques minutes. Si vous n'avez pas de personnage pour la remplacer, de personnages compatibles, donc ici de base vous avez Rey et Finn dans le pack, bah, une fois que Rey est vaincu, c'est à Finn de prendre le relais. Si Finn est vaincu, ben voilà, vous n'avez plus de figurines. Si maintenant vous avez d'autres figurines de pack Star Wars, vous avez trouvé les pièces dans le mode histoire, ou en parcourant les environnements comme ici, ben vous avez des vies supplémentaires en fait. Et ça, j'imagine que si vous jouez à ce jeu-là déjà, vous connaissez le principe. Je me demande, Finn a récupéré un sabre laser à un moment, je ne sais pas s'il peut s'en servir. Non. Dans son combo, il a maintenant une frappe au point, il termine par un coup de sabre laser. Et il n'a pas du tout de pouvoir Jedi, donc je vous dis, je n'ai pas vu Finn, donc je pense que c'est normal. On va prendre un vaisseau. Donc, au niveau des vaisseaux, bon, on a... quelques-uns maintenant. Alors on va prendre celui-là. Alors la carte stellaire, on a accès à l'espace au-dessus de Takodana où il y a une autre île. On a Jakku. Et c'est tout. Et Takodana bien sûr. Je vais partir en hyperespace par là. Voilà. Temps de chargement camouflé.
planète là-bas, je vais atterrir dessus, voir ce que c'est. On a des missions qui sont données sur les planètes principales pour rejoindre des lunes, comme ici. Je ne sais pas encore aller sur celle-là, mais il y a la même sur Takotana. Donc d'autres missions, ben voilà, une pièce. Ah, celle-là, je ne l'ai pas. Mais souvent, vous avez des missions type survie principalement. Ah, hop, encore ici. On a différents défis, on a un défi d'attaque ici, on a une lettre à remettre. Ok. Alors, vu le truc, j'imagine qu'on va monter sur des rails. Marrant cette planète. Non, nous ne sommes pas dans Mario Galaxy, on est bien sur Disney Star Wars. Cette petite base ne fait absolument pas partie des missions principales, bien sûr, donc là j'imagine qu'on ne peut pas tomber. La mission est faite. Ah, je n'ai pas vu. Petit souci du détail, hein, le masque sur le visage, alors qu'on est dans l'espace. Ah, bah, je vais vous montrer une mission de combat, s'il y en a une. Alors, trouver ce truc-là. Ce n'est pas une mission de combat, donc, dommage. Oui, je vise très très mal, ça, c'est quelque chose que vous devez savoir.
Ah, je vais voir s'il n'y a pas une petite mission à faire sur Jacques. Ou alors on refait une petite mission principale peut-être? Pour la lumière, je fais au mieux. Les friandises. Ça fait très sérieux comme ça. Ok. C'est le genre de missions qui vous font explorer les recoins du jeu. Content que ces bêtes aiment ça. Parce que moi, j'en mangerai pas. Alors pour ceux qui ont fait le jeu ou qui comptent le faire, ou franchement, il est chouette. Juste un petit bémol sur le combat final contre Kidoren. Ça va m'être utile. Un petit niveau, on distribuera les points par la suite. Donc le combat final contre Kylo Ren est quand même assez casse-pied, faut dire. Si vous avez fait les autres playsets, par exemple, le combat contre Vador était quand même pas mal. Un combat au sabre laser, en esquivant les objets envoyés par la force. Ici, ben, Kylo Ren est complètement, petit spoiler, est complètement... immunisé contre les coups physiques, donc il faut l'attaquer avec autre chose, et ce 3 fois de suite, c'est quand même assez compliqué. Enfin, disons que ça va encore une fois qu'on a compris ça. Et il y a un moment où la dernière partie du combat, il s'énerve vraiment, il vous laisse assez peu de temps pour attraper les objets qu'il faut lui envoyer. Mais voilà, j'ai trouvé quand même le combat un petit peu pénible, faut dire, pour un combat final. Bon, ça reste un boss. Là-dessus, il se passe quoi? Voilà, ok, je vais d'abord récupérer ça. Et donc voilà, il y a des secrets un peu partout. Moi, je suis assez friand de tout ce qui est. De tout ce qui est artworks, dessin et compagnie. Ça s'est bien passé, je dirais. Nouveau défi déverrouillé. Ah oui, j'ai pas de moment là par contre. Voilà. Alors, j'avais pas ça hier, mais je trouve qu'il y a des moments où ça glisse quand même pas mal. Oh oui, ouais.
Alors, comme je disais, hein, je n'ai toujours pas vu le film, c'est pas par manque d'intérêt, mais très clairement par manque de temps. Aller au cinéma est encore assez compliqué pour l'instant. Ouais, c'est marrant, tiens. C'est une bestiole ou c'est un robot? Une bestiole. On va refaire donc Donjon et de bord, on va avoir une mission principale. Rejouer. On va faire une des missions de combat. Sachant qu'il y a quand même des troupes assez difficiles, armées de boucliers ou qui ne se détachent pas, hein, comme dans Twilight of the Old Republic, c'est vraiment des boucliers qui demandent de contourner l'adversaire. Ah ouais, ça c'était une lune. Ce niveau-là, ben, j'ai vraiment eu du mal à le faire parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Il y a quand même du défi, hein, mine de rien, c'est pas... Infinity, c'est assez paradoxal. C'est pareil pour le pack vice versa qui est très chouette. C'est un pack de plateforme, hein, de niveau 2D, 3D. Dans l'ensemble de niveau 2D, ils sont pas piqués des hannetons quand même. Oui, je sais que c'est des expressions de vieux, mais c'est comme ça. C'est quand même bien compliqué. Alors ici, on va avoir une horde d'ennemis qui vont arriver. Je demande des renforts sur notre position. Je répète, je demande des renforts. Ça y est, les renforts sont arrivés. Attention. Allez, prenez les revers. C'est quoi ça? Oh, c'est moi. On va voir, on perd assez vite de la vie. Viens. Waouh! Ah voilà, vous voyez, j'ai perdu assez vite. Par exemple, je vais prendre Kiloren. C'est pas une mission de scénario, ça. N'est que niveau 9, hein, je vais pas vous contraindre. Voilà. C'était vite perdu. Alors bah, je peux essayer de vous montrer d'autres persos que j'ai débloqués dedans. Par exemple, Vador. Bon, vous le voyez pas trop bien sur la figurine, mais il est noir, forcément. Il est assez classe aussi. La lance devient maigre. Thank you.
Avec les bazookas, c'est compliqué. Donc voilà, au fur et à mesure, on perd quand même des vies assez rapidement. Santé là-bas. Voilà. Trop lent. Ne pas tomber, bien sûr. Pas extrêmement doué, mais quand même là je trouve que les ennemis sont, il y a quand même de grosses vagues d'ennemis assez imposantes et assez compliquées à battre. Ouais, je sais même pas qu'il y avait, je sais même pas aller aussi loin la dernière fois. Ouais, ils se baissent aussi pour esquiver le coup. Ce cas va te permettre de sauter, je sais pas jusqu'où je vais aller. Jusqu'à là où j'ai tout à l'heure. Bon, on va continuer. Bon, j'ai apparemment quelques ennemis quelque part que je ne vois pas. Ah bah tiens, encore une pièce. Bon, faut que j'avais pas exploré la dernière fois. Quand il serait temps, je trouve un peu de vie. Thank you.
Ah voilà, un peu de vie. C'est moi, on me tire dessus. Parfois il suffit de les pousser dans le vide, hein, suffit d'en dessous. Il y a encore un quelque part. Ah, les niveaux sont quand même pas mal, j'avoue. Il y a quand même pas mal de défis, pas mal de choses à faire, pas mal de choses à trouver. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Vraiment, si j'ai pas libéré la pièce pour Ahsoka, si, elle est cool parce que la force permet de repousser, c'est toujours assez pratique. Dans le cas comme celui-ci, repousser l'ennemi permet simplement de le tuer. Là. Comme j'ai une folle furieuse au niveau des sabres. Mais si. C'est un personnage que je ne connais pas beaucoup. Je n'ai vu que un ou deux épisodes de la série. Sympathique, hein, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Mais son style de combat est vraiment, vraiment sympa. Avec les deux sabres, il faut dire que c'est chouette. Ça me ramène au début.
quand même plus vite. Tu es sur mon chemin. Ouais, j'ai bien. Je prends le fil un instant. Il y a deux bébêtes là qu'il faut que je canarde. L'ambiance a changé. Finn sort un sabre laser, mais assez peu souvent. Je crois que j'ai fait le tour de la base. Niveau bruitage, hein, c'est du Star Wars dans le sens. C'est quoi ce truc? Normalement, je sais qu'il y a moyen de rejouer les scènes du scénario. Je vais bien essayer d'en faire un pour vous montrer un morceau de scénar. Donc voilà, je dirais que du coup, en adaptant la difficulté, ça va, c'est jouable par tous, mais il y a quand même des,
du moment, si vous n'avez pas d'autres vies supplémentaires, hein, des figurines en plus, bah, ça devient assez vite assez compliqué du fait que la résistance des personnes, des ennemis, du nombre aussi surtout, de monter de niveau, des compétences. Alors, en général, je monte souvent la vie et les capacités uniques. Bah, ici, lui, c'est surtout le tir. La grenade flash, je pense à pas des masses. Voilà, ça augmente la cadence des tirs, ça c'est toujours bon à prendre. Voilà. Effectivement, c'est pas mal. Je vérifie vite fait mes objets ramassés pour voir si j'ai eu tous les personnages. Je pense que oui. Oui, c'est bon. Ok, donc si je prends le journal de bord. Ouais, ça c'est plutôt de combat. Par exemple, on peut peut-être refaire celle-là qui est une mission sympa. Dans les sensations, on peut faire des loopings, des tonneaux, demi-tours, dans une ambiance sympa de combat spatial. Donc ça c'est dans tous les playsets Star Wars. Et la chose sympa, c'est qu'on peut recréer ça dans la toy box, hein, si on débloque les destroyers. Je crois que c'est ça. Oh non, ça ? On est à court d'options, il faut que ça marche. Tu sais piloter cet engin ? Wow ! Ah bah non, ici on n'est pas dans l'espace. Et moi qui trouvais le dernier vol affreux. C'est notre cible. Attention! Qu'est-ce que tu fais? En plus ici, donc, il faut esquiver les obstacles, abattre les chasseurs ennemis, tout en détruisant des cybernecs, hein, si on a envie. Dans le playset avec Anakin, il y a un chouette passage en pleine ville aussi où il faut esquiver toute la population comme dans le film. Et ici en fait on va faire un circuit jusqu'à ce qu'on abatte les 30 balles. On peut faire des tonneaux pour esquiver, c'est très rapide.
m'aider. Merci. Oh. Alors oui, je sais, je vise très mal. Je ne peux pas jouer à un jeu de tir, c'est pas la peine. J'essaie de te retrouver l'assaut de Starkiller. Donc contrairement à ce qu'on a pensé, les niveaux montent assez vite, hein, mine de rien. Celle-là, je pense que c'est une mission en vaisseau. Non, c'est vraiment chouette de pouvoir rejouer à des missions Star Wars recréées dans la Toy Box par les joueurs ou en les faisant soi-même. Des informations de BB-8. Si nous les déchiffrons, nous pourrons peut-être retrouver Luke. Et les lumières qu'on a vues au-dessus de Takodana. La nouvelle arme du Premier Ordre, construite au cœur d'une planète. Baptisé le Starkiller. Nous cherchons toujours comment elle est alimentée. C'est alimenté par l'énergie d'un système solaire. Et vous seriez... Il s'appelle Finn, et c'est lui qui m'a sauvé la vie. Donc ce qu'on a vu, c'est une arme qui tirait. J'en ai bien peur. Qu'est-ce que ça a touché? Le système Osnian. Le siège du gouvernement galactique n'est plus pulvérisé. Qui plus est, notre action a dévoilé notre centre de commandement. Nous devons être la cible suivante. Notre plan consiste à envoyer un commando pour infiltrer la base et détruire l'arme avant qu'il n'y ait d'autres victimes. Je connais cette planète. J'y ai été en poste. C'était un détachement sanitaire. Mais je connais les environs. Je peux aider. Envoyez-moi. Je viens avec vous. Et on s'attend sans doute à ce que j'approuve cette idée folle, moi aussi. Je crois que c'est de cette façon que le capitaine Solo dit qu'on peut y aller. Tiens donc, Han. J'ai peut-être quelque chose. Il faut chasser les chasseurs TIE de cette zone pour préparer l'infiltration. Que la force soit avec vous. Voilà, ici, abattre un tas de vaisseaux. En esquivant les tirs, et il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. On perd très vite de la vie ici.
accélérer aussi, s'éloigner un peu du feu et faire demi-tour. Très bon travail, continuez. Alors ici, il va falloir abattre les destroyers. Ce qui peut s'avérer assez compliqué quand il y a autant d'ennemis qui vous tirent dessus. Que rester statique, c'est de prendre des balles. Et bouge tout le temps, c'est ne plus savoir. C'est ne plus savoir viser correctement. La situation progresse bien. Et un moins. Et un plus. Énormément de dégâts. Parfois faire un peu de ménage. Ah, moi je suis partisan d'en mettre partout, hein, des balles, et de voir ce qui touche. Si on s'éloigne trop de la zone de combat, forcément on sort de la zone de jeu, donc on est renvoyé dedans. Ça commence à faire beaucoup ça. L'intention de refaire ça. Cramponnez-vous à quelque chose. Ça risque de secouer un petit peu. On a détecté un petit vaisseau en surface. Envoie-t-on une équipe mener l'enquête ? Non. Je vais m'en charger personnellement. Voilà.
Donc j'ai pas spécialement envie de vous spoiler toutes les séquences de jeu non plus. Mais d'un point de vue qualitatif, les playsets du 3.0 sont quand même tous bien tissus. Les trois Star Wars sont bons, je pense que le meilleur à mon sens jusque-là est celui avec Anakin et Ahsoka. Suivi ex aequo par les aventures de Luke et celle de Rey. Donc il y a quelques scènes, c'est dommage, hein, la scène Luke, je suis ton père, n'a pas été très... Salut Idrita. A malheureusement été modifié dans le jeu, et perd un peu de son caractère iconique, je trouve. C'est un petit peu dommage, ça aurait pu rester comme ça. Enfin voilà, je vais pas vous en montrer plus, ça fait quand même déjà un peu plus d'une heure qu'on est dessus. Je pense refaire un live, je pense, sur les deux autres épisodes à un certain moment. Refaire certains passages de la saga originale et ainsi que les épisodes 1, 2 et 3. D'ici là, ben encore une fois, bonne année, portez-vous bien. Et on se retrouve sûrement très très bientôt. Voilà, je suis un... Ah, sale type, hein, je casse tout chez les lentilles qui m'hébergent. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve assez rapidement pour un autre live. Donc j'ai encore un petit peu le temps. C'est drôlement haut. Et n'hésitez pas à passer faire un tour sur le site de Pixel qui a été entièrement refait. On l'espère pour vous plaire encore plus. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.